Salut et bienvenue dans ma vidéo du Paris public du week-end. Alors, je vais faire ça de manière différente, hein. Aujourd'hui, je ne vais pas partager les écrans comme je fais d'habitude pour éviter les quelques avertissements que j'ai reçus de la plateforme. Ok, donc par sécurité, je vais faire cette vidéo en face à face et je regarderai mon écran pour expliquer mon analyse comme d'habitude. Alors, pour mon pari public que je te donne pour ce week-end, c'est une des sélections qui est tirée directement de mon club privé betting. Et la sélection que j'ai décidé de partager avec toi, c'est le match en Pologne Ekstraklasa qui oppose Lech Poznań contre le Legia. Ou le Legia, on va dire le Legia. Ce match a lieu dimanche à 17h30. Avant de te donner le pari que j'ai sélectionné pour ce match, je te demande de prendre quelques secondes et de supporter ma chaîne YouTube, okay, de m'encourager en t'abonnant à ma chaîne YouTube pour que je continue à te donner un maximum de conseils gratuitement. Alors, le pari pour ce match, c'est la victoire de l'équipe à l'extérieur, le Legia, qui est la première équipe au classement. Victoire à l'extérieur du Legia en draw no bet. Okay, je sécurise le match nul. En cas de match nul, je suis remboursé si le Legia gagne, je fais un profit, et si c'est l'équipe à domicile qui gagne, là je perds ma mise. Au niveau du classement, je disais donc que le Legia est premier au classement et l'équipe à domicile, le Lech Poznań, est dixième au classement. Je vais d'abord regarder les performances du Legia à l'extérieur. À l'extérieur, le Legia reste la première équipe, la meilleure équipe du championnat. C'est 8 victoires, 2 matchs nuls et une seule petite défaite sur 11 matchs. Donc très grosse performance, un petit faux pas. Mais en tout cas, je suis très confiant pour la victoire de cette équipe à l'extérieur. Victoire de Renaud Bet. Sur les 11 matchs, c'est 5 petits buts encaissés. 5 buts sur 11 matchs. Ça fait un but tous les 2 matchs environ. C'est solide derrière, c'est sûr et certain. L'équipe à l'extérieur, c'est le Lech Poznań. Elle est 9e. Et si je regarde ses performances à domicile, eh bien, sur les 11 matchs à domicile, 3 victoires, 3 petites victoires. Pour le reste, c'est soit match nul, soit défaite. Au niveau des stats maintenant, ligne à ligne, des scores de la saison, hein, je rentre un peu plus dans les détails. Pour le Legia, comme je l'ai dit, c'est une seule petite défaite que j'attribue à un faux pas, puisque c'est une défaite 1-0 à l'extérieur, évidemment, chez l'avant-dernier, donc même pas chez une équipe difficile. Bref, faux pas, comme ça arrive à chaque équipe. Et c'est le seul faux pas, la seule défaite à l'extérieur, donc assez impressionnant comme statistique de la part du Legia. Quant au Lech Poznań, alors j'oubliais aussi de dire sur la forme récente du Legia, il n'y a rien à dire. Hein. C'est sur les 3 derniers matchs à l'extérieur, c'est 3 victoires. 0-4, 0-1, 1-2. Bref, bonne dynamique. Pour le Lech Poznań, 9e au classement et à domicile, comme je disais, c'est 3 victoires. Sur la forme récente, le Lech Poznań reste sur une défaite 2-3 et un match nul 0-0 à domicile, tout ça. Hop. Voilà, désolé, petit problème d'écran, mais me revoilà. Alors, la value, je prends toujours un indicateur de value hein, via un algorithme. Donc, ça fait partie aussi de mon analyse. C'est un des éléments de mon analyse, tu le sais bien. Et la value, avec l'algorithme que j'utilise de Good Profits, est bien du côté du Legia à 2,28. Hein, sur la victoire sèche, hein, 2,28, ok. Je parlerai des cotes en draw no bet après. Bref, donc encore plus de confiance parce qu'il faut toujours que la value soit de mon côté. Elle est de mon côté d'après l'algorithme que j'utilise. Au niveau des cotes maintenant, du Legia. Au niveau des cotes du Legia, eh bien, sur les bookmakers.com, donc Orargel évidemment, la cote moyenne du draw no bet du Legia est de 1,62. Que je trouve pas mal du tout vu les stats à l'extérieur. Et sur Betting Exchange, tu iras chercher 1,67, donc plus élevé, 1,67, 1,68, ok, sur les Betting Exchange. Donc pour moi, très très bonne cote. J'ai aussi oublié de te parler, parce que évidemment j'ai checké ça aussi, de l'enjeu, hein, parce que voilà. Le Legia est premier au classement et a déjà 10 points d'avance sur le second. Donc, c'est pas mal.
Donc c'est vrai que niveau enjeu, ouais, voilà. Ce n'est pas qu'ils sont obligés de gagner, mais en tout cas, leurs performances sont des performances de champion. Okay. Sur la forme récente, domicile extérieur, il n'y a que des victoires. Donc ça veut dire que ça continue à pousser pour creuser l'écart. Et en plus, de l'autre côté, le Lech Poznan n'a pas d'enjeu non plus, vu qu'en fait, le Lech Poznan a 29 points. Et la première équipe, qui est en fait que le dernier qui descend, l'équipe qui descend a 19 points. Donc le Lech Poznan a 10 points d'avance sur le descendant, okay, sur l'équipe reléguée. Donc voilà, il n'y a pas non plus de la survie du côté de Lech Poznan. Donc pour moi, il n'y a pas de problème au niveau de l'enjeu et du championnat. Petit check. Aussi, évidemment, des buteurs. Alors, je remets à l'écran parce que je ne connais plus ça par cœur. Hein. Du côté du Legia, évidemment, des Legia, pardon. Je m'assure toujours d'une chose, c'est que s'il y a un top buteur, ce qui est le cas au Legia, s'il y a un top buteur qui soit bien présent. En effet, il y a un top buteur au Legia. Quand je dis top buteur, c'est quoi? Il faut savoir qu'il a marqué 21 buts. Donc c'est vraiment un top buteur. En rapide calcul, c'est la moitié des buts facilement de l'équipe. Autant dire que s'il n'est pas là, ça change tout. Alors en regardant les news, okay, ou même tu peux regarder ça sur Flashcore, eh bien il n'est pas indiqué absent. Donc pour moi, pas de problème au niveau de la présence du buteur non plus. Voilà, j'ai terminé pour ce pari, cette sélection. Je le rappelle, hein, ce week-end, dimanche, 17h30, Lech Poznan, Legia. Victoire en Dronobet du Legia, l'équipe à l'extérieur. Cote 1,65 jusqu'à 1,68, 1,65 sur 1,68, 1,69 sur Betting Exchange. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Je voulais te dire aussi que si tu es intéressé par toutes mes stratégies et toutes mes méthodes, eh bien, tu peux demander un exemplaire de mon livre ou guide, mais c'est quand même un guide de 60 pages, de mon livre, ok, Passer dans le vert, où je décris concrètement et en pratique les stratégies d'analyse que j'utilise, ainsi que toute une partie, on va dire plutôt méthode, mindset, et entièrement gratuit. Donc je te le donne pour 0 €. Tu as les frais de livraison à payer. Si jamais tu es déçu, que tu payes les frais de livraison, mais que tu es déçu de ce livre, tu me vois un petit mail, je te rembourse aussi les frais de livraison, donc tu n'as rien à perdre et je suis certain que tu seras super satisfait. Je laisse le lien dans la description de cette vidéo. Je te souhaite un bon week-end et de bons paris. Attention, limite tes paris qualité avant quantité. Bon pari pour ce week-end.